Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut comparer ces deux fractions, 7 dixièmes et 8 neuvièmes. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu arrives à me dire lequel de ces deux nombres est le plus grand, et puis ensuite on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble, et cette fois-ci ce que je voudrais faire c'est utiliser une méthode visuelle pour comparer ces deux nombres. Et je vais le faire en fait en utilisant deux objets de même taille qui vont être des cercles. Alors voilà mes deux cercles. Ici. Je vais essayer d'utiliser ces deux cercles qui sont exactement de même taille, exactement identiques, pour comparer 7 dixièmes et 8 neuvièmes. Donc je vais essayer de dessiner 7 dixièmes de ce cercle et 8 neuvièmes de ce cercle-là. Alors évidemment, il faut prendre des, des objets de même taille. Là j'ai pris des cercles, tu pourrais prendre d'autres formes mais il faut prendre exactement les mêmes objets, exactement de la même taille, parce que sinon tu ne pourrais pas vraiment comparer. Si par exemple tu prends un petit cercle pour dessiner 7 dixièmes de ce petit cercle, et un grand cercle pour dessiner 8 neuvièmes de ce grand cercle, tu auras du mal à faire la comparaison. Et de même si tu prends un cercle ici et un rectangle là, par exemple, eh bien, tu ne pourras pas faire la comparaison. Donc ici, c'est important de prendre exactement les mêmes objets. donc j'ai choisi de prendre deux cercles exactement identiques. Alors ce que tu peux remarquer quand même en regardant les cercles, c'est que oui, ils sont exactement identiques, hein, ils ont la même taille, Par contre, je les ai divisés en un nombre différent de parties. Ici, pour le premier, j'ai fait 1, deux, trois, 4, 5, 6, 7, huit, neuf, 10 parties. Et ça, c'est parce que pour représenter la fraction 7 dixièmes, je dois découper mon objet, ici mon disque, en 10 parties égales, ce que j'ai fait exactement ici. Et puis par contre, pour le deuxième, eh j'ai 8 neuvièmes. Donc il faut que je découpe mon disque en 9 parties égales. Et c'est ce que j'ai fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc tu vois que ce qui détermine le nombre de parties égales que je vais faire, c'est ce nombre-là. Ici c'est un 10, j'ai divisé en 10 parties égales. Et puis pour l'autre fraction, c'était un 9. Donc j'ai divisé en 9 parties égales. Maintenant je vais tout simplement compter combien de parties je veux prendre. Ce nombre-là m'indique combien de parts je vais prendre. Donc ici j'ai 7 parts, alors je vais les colorier. 1, deux, trois, quatre, cinq, six. Et 7. Voilà, ça, ça représente 7 parts sur 10, c'est-à-dire les 7 dixièmes de mon disque. Et je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai 8 parts sur les 9, donc je vais colorier 8 parts. Alors, je peux colorier celle-là, 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 ça m'en fait 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors à ce stade, tu peux peut-être de nouveau mettre la vidéo sur pause et essayer de répondre à la question lequel de ces deux nombres est le plus grand, en t'aidant de ce dessin que je viens de faire. Évidemment, on voit bien que ici j'ai colorié une plus grande surface de mon disque que ici. Hein. Ça veut dire que 8/9 est plus grand que 7/10, ce que j'écris comme ça, hein. toujours en mettant le côté pointu vers le plus petit nombre et le côté large vers le plus grand nombre. Et ça, j'ai pu le faire visuellement comme ça, puisque je vois bien ici que si j'imagine que ce disque, c'est une pizza, en fait, celui qui a pris 8 neuvièmes de la pizza a mangé beaucoup plus que celui qui a pris 7 dixièmes de la pizza.